Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous poursuivons allègrement la série de vidéos de l'ouvrage de Boubou Hama, écrit sur le Soudan. Alors, dans ce chapitre-ci, il aborde le 19e siècle. Alors, il fait d'abord un récapitulatif avant d'aborder vraiment le 19e siècle. Alors, il indique d'abord que l'écroulement de l'empire du Ghana, qu'on appelle aussi royaume de Ouagadougou, en 1076, marque le triomphe des Almoravides, qui sont des Berbères convertis à l'islam, qui viennent attaquer l'empire du Ghana. Et c'est comme ça que l'islam fait son intrusion, dans le Sahel. Voilà. Et cela va toucher le Tekrou, le Soso, le Diarra, qui vont devenir ainsi des royaumes indépendants et qui vont donc sortir calmement de l'empire du Ghana. Alors, après la destruction de l'empire du Ghana, l'islam va s'orienter dans toutes les directions des pays des Noirs. Voilà. Voilà. Et puis, les Berbères eux-mêmes vont être des propagateurs de l'islam, notamment au Maghreb. Cela va traverser le détroit de Gibraltar et cela va aller créer ce qu'on appelle l'Andalousie, dans l'Espagne actuelle. Alors, l'islam berbère sera beaucoup touché par le soufisme, c'est-à-dire par la mystique musulmane, qui mettait l'accent sur la baraka, c'est-à-dire la bénédiction, la force spirituelle, mais aussi sur le culte des saints, qui rappelle en beaucoup de points, disons, les cultes ancestraux, voilà, l'ancestralité, que pratiquaient partout en Afrique les Noirs. Voilà. Alors, c'est à cette forme d'islam que les Noirs vont adhérer en général, les Noirs du Tekrou, du Galam, du Soso, du Diarra. C'est cet islam-là qui sera une religion, d'abord, qui sera adoptée par l'aristocratie. Bon, il parle de thème d'aristocratie. Bon, c'est un terme comme ça dit que les classes dirigeantes, enfin les groupes dirigeants en Afrique, notamment dans le Mandé, etc. Et avec le règne de Sundiata Keïta, il en sera ainsi. Quand les dirigeants même sont convertis, alors progressivement le peuple même se convertit. Alors c'est ainsi que cela va se poursuivre, notamment avec Kankan Moussa, Souleymane, qui lui va radicaliser un peu l'islam avec le rite malikite. Voilà. Mais en général, c'est le rite malikite qui sera pratiqué dans le Sahel, dans le Soudan. Alors, à partir de 1664, l'islam sera un peu freiné dans sa volonté de s'imposer ou des gens qui voulaient l'imposer de force, ce que l'empereur Soni Ali Bey n'a pas voulu. Il a voulu qu'il y ait une liberté religieuse, que ceux qui voulaient rester fidèles aux pratiques religieuses ancestrales des Africains continuent de pratiquer tranquillement leur religion. Alors, ce n'a pas été le cas avec El Hadj Mohamed Askia Mohamed Touré, qui va aussi, avec le soutien des oulémas, essayer d'imposer par la force l'islam. Pour leur faire plaisir, il fera un pèlerinage à la Mecque, qui va prendre le titre de calife, etc. Voilà, c'est cela. Et puis, l'Askia Mohamed, et puis surtout son fils Askia Daoud, qui va régner pendant 33 ans sur le Songhai, va créer des universités, des écoles et va bâtir beaucoup de mosquées. Alors, son ami, l'imam Maraba, mufti de Bobo, bon, là, c'est Boubou Hama qui parle. C'est plutôt Boubou Hama qui parle.
Il dit que son ami, l'imam Maraba, qui est mufti de Bobo, lui a communiqué une liste de 17 mosquées dont les premières pierres ont été envoyées à des savants. Ouangara, par Lasker Daoud. Beaucoup de ces mosquées existent de nos jours dans la région de Bobo-Dioulasso. Mais il faut dire que la région de Bobo-Dioulasso sera appelée par la suite Guirico. Il va faire partie de l'Empire de Kong. Alors, après les Askia Mohamed et Daoud, les princes vont s'écarter de la justice, du droit du Coran. Il y subsistait le mensonge, l'arbitraire, qui finit par chasser l'amour et la charité dans l'Empire. On alla jusqu'à y pratiquer la sodomie. Ah, ça, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il dit. Bon. Ça vient d'où, ça? Il passait outre le bon usage établi par le fondateur de la dynastie. Ils vendirent au marché des hommes libres, des descendants du grand saint Mori Aougaro. Voilà. Voir notamment le Tariq El Fetash qui en parle. C'est-à-dire qu'on n'était pas à l'abri de perdre sa liberté du jour au lendemain, malgré sa position, parce que vendre quand même le descendant d'un saint reconnu, notamment Mori Aougaro, ça c'est vraiment grave. Et il le dit, la sodomie aussi, c'est vraiment grave. Bon, d'où est venue la pratique de cela? Bon, par les dirigeants, ça c'est un problème. Bon. Tant d'injustices provoquaient dans l'Empire l'iniquité, l'insécurité, le désordre, la colère de Dieu qui se servit de l'armée marocaine pour mettre un terme au pouvoir de ces princes indignes qui ne redoutaient que les colibés des lettrés de Tombouctou. Ceux-ci n'étaient pas tendres pour ceux d'entre eux qui étaient avares, mauvais musulmans ou injustes. Mais cela ne veut pas dire que l'armée marocaine qui vient les vaincre justement avec la bataille de Tondibi, dans l'armée marocaine, il y avait des mercenaires chrétiens, notamment venus d'Espagne. Et ceux-ci, il n'est pas sûr que c'était des gens qui étaient tous de bonne moralité. Ça, ce n'est pas sûr. Voilà. Surtout qu'ils avaient des harems. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces princes marocains-là, ces dirigeants marocains, ils passaient leur temps à castrer des gens pour veiller sur leur harem énorme. Ah oui, parce qu'il y avait plein de femmes. Toi seul, tu es un homme. Tu as une centaine d'épouses. Mais comment tu peux... Bon, c'est pas, elles ne sont pas tous des épouses. Parce qu'en tant que musulmans, ils ont droit à 4 épouses. Tout le reste, ce sont des concubines. Vous voyez? Donc, eux-mêmes aussi, ils ne vivent pas dans la moralité. Voilà. Donc, c'est ça le problème. C'est ce passe-droit par l'armée marocaine interposée que Dieu mit fin en 1591, qui vit l'écroulement de l'Empire Songhai, ou Songhai. Mais en fait, la partie sud-est, les Marocains, bien qu'ayant établi leur système qu'on a appelé le système du Pachalik, n'a pas pu contrôler ces zones-là. Voilà. Le Maroc n'a pas pu contrôler ces zones de l'est et du sud, qui faisaient partie de l'Empire Songhai. La résistance va continuer à ce niveau-là. Seul le sud de l'Empire, voilà, c'est ce que disait le dandy, réfugié dans ses traditions, sauva le Songhai d'une occupation marocaine complète, c'est cela. Même aussi l'Est. La résistance Songhai confina les Marocains dans le nord, dans les villes de Gao, Tombouctou et Guéné, souvent harcelés par les résistants d'Askia Nou, qui avaient sa base dans le dandy. Gaïa, région du Niger, c'est ce que je disais. Voilà. Donc les gens ont continué de résister. Voilà. Entre 1591 et novembre 1593, les Marocains étaient chassés de ce dernier pays. Ils reviendront en 1640, mais de nouveau, ils seront défaits et le dandy demeurera indépendant du Maroc. Voilà, c'est ça. L'ensemble fédéré par les Songhai s'écroula. À la place surgiront de nombreux États qui refusèrent la colonisation marocaine. Celle-ci
se désintéressa de l'enseignement arabe qui, de nouveau, fut contraint de se réfugier dans les villes de Tombouctou et de Djéné. Donc, si on veut voir, c'est la partie nord de l'empire Sonrai que les Marocains ont contrôlé avec le Pachalik, avec le système administratif qu'on appelle le Pachalik. Et puis, ils étaient surtout dans les grandes villes, Tombouctou, Djéné, Gao, etc. Donc, c'est ça. De 1591 à la fin du XVIIIe siècle, l'islam connut une longue léthargie, dont il se réveillera qu'à partir du XIXe siècle, sous l'occupation des Peuls, Soudan central, Dan Fodio, Sénégal, Fouta Djallon, Soudan, El Hadj Omar. Voilà, parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé la saga de Doucement Dan Fodio. Hein. Il a prétendu faire du djihad, mais en fait, c'était pour se faire des richesses, voilà, et puis se bâtir un espace politique. De l'Almamissa Mori, Guinée, et de Mohamed Lamine, région de Kayes au Mali. Donc, voilà, c'était des gens qui voulaient créer en fait des États. Mais aussi, en filigrane, il y a aussi le désir de puissance, de richesse, etc. L'ancêtre de Dan Fodio, un torodo de Oré Fouindé, Moussa Diokolé, était un dème. Bon, là, il n'explique pas ce que c'est qu'un dème, là. Bon, peut-être que c'est un groupe ethnique, ou bien c'était un clan à l'intérieur, peut-être des Torodo, ou bien peut-être un clan à l'intérieur, peut-être des Toucouleurs ou des Peuls. Il parvint à Koni, Niger, en 1500, au temps du sultan Damka. Askia El Hadj Mohamed régna à Gao et, dans l'Empire, les routes étaient sûres. Moussa Diakoulé ou Diakoulé était l'aîné de quatre frères qui vinrent se fixer à Windou près de Dori dans le Burkina actuel. De Windou, les quatre frères émigrèrent vers l'Est. L'aîné choisit de demeurer à Koni. Le frère qui suit cet aîné revint sur ses pas et s'installa dans le Torodi au Niger actuel. Le troisième se fixa à Yaga, Burkina actuel. Excusez-moi. Hein. Ouais, mon frère, comment ça va? Ouais. Ouais, je vais bien, merci. Bon, tu sais, les gens sont en train de me fatiguer. Hein. Moi, j'ai prévu ça pour le 1er octobre. Mais il y a le collègue qui est au Canada, comment on appelle ça, Mandé, qui tient forcément à y participer. Il prétend qu'il va venir le 3, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est aléatoire. Donc, moi, je me fixe pour le 1er. C'est ce que moi, je sais. Voilà. Oui, mais il va... Bon, je crois qu'il a déposé... je veux dire, proposer la date au conseil scientifique. Il a déposé ça hier, donc je pense que peut-être dans le courant de la semaine, peut-être lundi ou mardi. Moi-même, lundi, je vais appeler le professeur Gobé pour cela, pour que ça sorte vite. Bien, qu'est-ce que tu dois voyager? Ok, d'accord. Okay. Madame, tu as dit que je suis passé là-bas le week-end dernier. Ok. Oh, oui, je vois, oui. C'est ça. Oh, oui. Oui, oui, il y a eu des évolutions, quoi. Oui, oui. Bon, écoute, là, je le sais. Oui, c'est un vendredi, oui, c'est un vendredi.
Bon, en fait, comme déjà il a déposé le papier, bon, je ne sais pas. Mais quand on a déposé, je pense que par la suite, on peut changer, non? Mais est-ce qu'on est obligé d'informer encore le conseil scientifique? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Là, ça, c'est Yaobi qui va faire ça. Je connais des choses, mais Yaobi, lui, il est le spécialiste. Donc, il vaut mieux le laisser faire. C'est lui qui est le spécialiste. Oui, bon, je peux co-animer avec lui, mais bon, c'est lui le spécialiste. Donc, je pense qu'il faut lui donner la primeur, quoi. Il faut lui donner la primeur. Mon frère bien-aimé. D'accord, ok, c'est compris. Parce que si Mandé doit venir de choses de Montréal le 4, pardon, le 3, donc, parce que le 4 aussi, j'ai une soutenance. Je préside une soutenance d'un étudiant du professeur Tuibi. Voilà, donc, dans ce cas, on sera obligé de faire ça après ça. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. D'accord, c'est compris. D'accord, ok, c'est compris. C'est compris, c'est compris. Merci bien. Bon week-end. Je salue ton épouse. Hein. Bon, chers frères, excusez-moi. Bon, vous savez, hein, le travail, ça ne finit pas. Nous discutions, j'en parlais avec tout à l'heure le professeur Anouk sur une soutenance qu'il doit avoir lui très bientôt, soutenance de thèse. Et puis il y a aussi ce travail que nous avons fait pour le diocèse de Grand Bassam sur la carte interactive, hein, qui sera sur le net. Et à partir de cela, déjà, on peut avoir des informations sur le diocèse, sur les paroisses, etc., sur les messes, etc. Donc c'est ce qui fait que j'ai dû prendre ce coup de téléphone. Alors, donc vous m'excusez. Vous m'excusez. Donc c'est un intermède. Bon, alors nous allons poursuivre, n'est-ce pas, la lecture, n'est-ce pas, de l'ouvrage de Boubou Hamar sur qui est intitulé Écrit sur le Soudan. Écrit sur le Soudan. Alors donc, comme il disait que le troisième frère s'est fixé à Yaga, au Burkina actuel. Voilà. Alors ensuite, il va revenir à Ouindou, d'où étaient partis les quatre frères. Parmi eux, les trois premiers réussirent à créer des dynasties qui dure encore à Sokoto, Nigeria du Nord, à Torodi au Niger et Yaga au Burkina Faso. Donc vous voyez trois frères qui ont créé trois entités politiques. Ils ont créé trois entités politiques. C'est cela. Comme l'avait fait Askia Mohamed après la mort de Souni Alibert, après celle de Bawa Jan Gorso, empereur du Gobir, Dan Fodio déclencha contre son fils Yumfa une guerre violente de 1804 à 1817 qui mit fin au règne des Haoussa. À Gao, Askia n'aurait pas pu réussir sa révolution musulmane avec Soni Ali Ber, dont la haute personnalité interdisait toute velléité de revolte. Contre, on peut dire contre Soni Ali Ber, c'est ce qu'il faut dire. Pour la même cause, Dan Fodio attendit la disparition de Bawa Jan Gorzo pour déclencher, hein, je peux dire les hostilités, mais ici il a écrit la science. Je ne sais pas pourquoi il a écrit ça, peut-être que c'est une erreur.
Dans les deux cas, il ne s'agissait pas d'introduire l'islam au Soudan, mais de l'y réformer. L'action de Dan Fodio et de ses continuateurs, profonde dans le Haoussa, s'étendit jusqu'au pays Yoruba, où l'islam compte de nombreux adeptes. Donc on voit un peu l'évolution de l'islam dans les zones beaucoup plus au sud. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de Yoruba qui sont convertis à l'islam. Bon, il explique que ça vient un peu de l'action, n'est-ce pas, de Ousmane Dan Fodio, et puis aussi de l'action de Haoussa. Après son père, Mohamed Bello, ce prince de la plume donne à la religion musulmane au Soudan central une base solide. Dan Fodio, son fils Mohamed Bello et son frère Abdoulaye Dan Fodio écrirent de nombreux livres sur la religion, mais aussi sur l'histoire des peuples soudanais, sur le monde musulman et leur époque. El Hadj Omar a connu Dan Fodio qu'il vit lors de son passage pour la Mecque. Au retour, Mohamed Bello, qui remplaça son père, lui donna une de ses filles qui devint la mère de l'âme d'Yulbe, Amadou Sekou, qui vint terminer son action militaire au Niger peu de temps avant l'arrivée des Français dans ce pays. Donc on voit que il y a différentes personnes, notamment issues du peuple Peul, qui ont créé des royaumes, disons des sortes d'émirats musulmans, vous voyez. La vie d'Omar est connue, sa résistance contre la colonisation française aussi. Ce qui l'est moins, c'est sa djihad contre le Massina, qui était un empire musulman bien organisé depuis 1810, alors que Dan Fodio ne triomphait du Gobi qu'en 1817. Donc cela veut dire qu'en réalité, vous voyez, il vient attaquer le Massina qui est déjà islamisé. Donc cela veut dire que leur problème, ce n'était pas forcément de répandre l'islam, mais c'était de créer des entités politiques, voilà, pour dominer et pour s'enrichir. C'est ça l'effet. Sinon, comment si c'est, il fait un djihad, il s'en va attaquer un royaume déjà musulman. Ça, c'est quand même curieux. C'est comme on le voit aujourd'hui au Sahel, des gens qui se disent djihadistes, qui attaquent les populations au Niger, au Mali, au Burkina, au nord du Nigeria. Toutes ces zones-là qui sont des zones fortement islamisées. On voit que derrière, il y a un autre agenda. Il y a un autre agenda. C'est ça l'effet. Voilà. Le fait pour le Massina d'être Kadria et pour Omar d'être calife du Tidjaniya ne suffit pas pour créer les conditions de la guerre sainte. D'ailleurs, aucune guerre n'est sainte. Et d'ailleurs, la Tidjaniya, ce n'est qu'une confrérie au sein de l'islam. C'est une confrérie au sein de l'islam. C'est ça. Il y a aussi la question des Ordos, païens qui se réfugièrent au Massina, et que ce pays musulman ne voulait pas livrer à El Hadj Omar, cela aussi, à lui seul, ne pouvait constituer un motif valable pour déclencher la guerre sainte. Voilà, de toute façon, aucune guerre n'est sainte. Voilà. La guerre, c'est pour tuer des gens, c'est ça. Le conflit qui opposa le chef tout couleur au Peul du Massina doit être placé dans son contexte de lutte anticoloniale où El Hadj Omar se battait contre les Français en perdant ses points d'appui les uns après les autres. Le conflit était-il surtout politique, plus politique que religieux? Mais moi, je pense que c'est des ambitions d'intérêt, voilà, personnel, de personnes qui sont ambitieuses. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Mais quand on examine la situation de la zone soudano-sahélienne au début du 19e siècle, on y distingue une résurgence de la religion musulmane sous l'égide des Peuls qui n'eurent pas le temps de conjurer leurs efforts dans un front commun contre les troupes coloniales. L'idéologie du courant contre celle-ci a été employée à fond. D'autres musulmans, Mohamedou Lamine au Mali, Rabat, Bassin tchadien et Nilien, Samori en Guinée, vont s'en servir pour combattre la pénétration européenne au Soudan. Voilà. Samori lui aussi, c'est-à-dire il s'agit de Samori Touré, était talonné par les troupes françaises. Il dut se battre contre certains états des centres, même musulmans, pour subsister dans un repli qui devenait très vite précaire. Ce qui compte, c'est le génie militaire
de Samory, son sens de l'honneur et du devoir, sa résistance dont les Français n'arrivèrent au bout qu'après 16 années de lutte acharnée, dont les belles leçons appartiennent elles aussi à notre patrimoine culturel. Voilà, donc c'est signé Boubou Ama. Donc nous acheminons allègrement vers la fin de la présentation de cette série-ci, l'ouvrage de Boubou Ama, écrit du Soudan. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Fétouboigny, université qui est à Abidjan, Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Prenez le temps de suivre ces séries-là, parce qu'en suivant la série, c'est comme si vous avez lu l'ouvrage. Alors, vous n'avez pas besoin de l'acheter parce que vous l'avez déjà lu. Évidemment, un ouvrage, on peut le lire, le relire, parce que chaque fois qu'on lit un ouvrage, qu'on le relit, quelquefois, il y a des aspects qui nous éclairent encore plus, etc. Bon. La vidéo aussi, vous pouvez la regarder une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays situé en Afrique de l'Est. Je vous remercie et vous souhaite un très bon week-end et une bonne journée.